Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un unboxing avec la boutique Biggest Craft. Alors je vous le dis tout de suite, il y aura dans la semaine une autre vidéo mais qui sera sur mon TikTok, mais je pense que je la partagerai également sur YouTube ou sur mon Instagram, mais je vous préviendrai de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors attention le téléphone. Voilà mes mères. Comment on fait? Si tu peux arrêter de montrer tes fesses. Ça va? C'est cool? Qu'est-ce que t'as entendu? Tu t'assois? Voilà, c'est bien. Elle s'est assise. Que voulez-vous? J'ai entendu du bruit dehors. Hein? Allez, je vais vous montrer ce que j'ai choisi cette fois-ci chez Biggest Craft lors de notre partenariat. Alors, je ne les ai pas, je dois leur envoyer un message parce que j'ai eu en double. Voilà, tout simplement, sauf un article que lui, je l'ai eu normalement, mais le reste, j'ai tout eu en double. Bon, de toute façon, je sais bien qu'ils ne vont pas me dire de le renvoyer. Hein. Donc, attendez-vous. Je n'en dis pas plus. Ouais, donc j'ai tout eu en double, mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est tant mieux pour vous. Bon, Fifi. Allez, merci. Alors, d'abord, j'ai eu un accessoire. Enfin, c'est plusieurs accessoires dans le même. Alors, vous l'avez déjà vu, hein, je crois que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Mais, je n'en ai plus de disponible. Donc, voilà. Coucou. C'est moi. Ouais, c'est... Je crois que cette vidéo va être difficile à faire. Je crois que ça va être compliqué. Ah, ça va, elle est partie manger. Par contre, j'ai pas pris de ciseaux pour couper ça. Attendez. Voilà, c'est fait, c'est coupé. Alors, dans ce lot, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 tambours. Ça, c'est le plus grand. Voilà. De mémoire, il doit faire dans les 25 cm, 25, 26. Après, on a cette taille-là, celle-ci, celle-ci, et une toute petite, comme ceci. Voilà. Alors, moi, je les aime beaucoup, parce qu'ils tiennent bien la toile. Alors, attendez, je vais en prendre un moins grand, ce sera mon bleu. Ouh, j'ai attrapé le hoquet. Ils tiennent bien la toile. Donc, il vous suffit de dévisser ici. Voilà. Vous sortez le rond blanc. Ce rond blanc, vous allez le poser en dessous de votre toile. Donc, votre toile va être au-dessus. Et vous allez venir poser ça, donc, au-dessus de votre toile. Et vous allez coincer votre toile entre les deux anneaux. Ça va bien tenir parce que, voyez, regardez, là, c'est un creux, donc c'est un cran hein, tout du long. Et ici, vous avez, voyez, là, ça ressort par contre. Donc, ça va, ça s'emboîte très bien
entre la toile et ça, ça s'emboîte très bien et ça ne bouge pas. Il vous suffit de resserrer. Voilà. Et n'hésitez pas à piquer un mini tournevis cruciforme dans la caisse à outils de votre mari ou votre papa ou votre frère. Ou... vous voyez, là, il y a une petite vis cruciforme. Et du coup, pour bien serrer, vous mettez votre tournevis là et vous serrez. Vous tenez ici cette grosse vis, là, ce gros boulon, et vous serrez. Comme ça, votre tambour va être bien, bien serré et votre toile ne bougera pas. Voilà. Donc, pour ces 5 tambours, ils sont au prix de 11,99 $. Comme d'habitude, je vous remets le prix en euros pour que vous sachiez combien ça coûte en euros. Hop, désolé pour le bruit. Alors... Donc voilà, j'ai eu ça en double. Voilà, donc celle-ci. Donc j'en ai deux de chaque. Et celle-ci. Alors, elles sont vendues soit à l'unité ou soit en lot. Donc vous pouvez avoir le lot comme ça des trois broderies. Ce qui vous fait 5, 10, 15 si vous le prenez en lot, ça vous coûte un petit peu moins cher. Voilà, et du coup vous aurez les trois. Alors par contre, je suis en train de regarder, moi si c'est ça, ouais. Je me disais peut-être qu'ils ont fait un point compté, un estampé, mais non, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Alors, le premier, je vais vous montrer celui-ci. De toute façon, je vous remets les images pour que vous voyez bien. Alors, celui-là, c'est le Lavender Girl, donc la fille lavande, dans la lavande. C'est un 14CT, je ne sais pas, il y a comme une poussière dessus. 14CT, donc ça va se broder en deux fils et elle fait 28 sur 34 cm. Donc, c'est du pseudo-diocendé, hein, donc pas de problème. Et, ouais, c'est du point compté, c'est ça. Alors, elle existe en plusieurs formules. Donc là, le lot, moi, c'était du 14CT point compté. Je crois qu'il y a aussi le lot... des 3 en 14CT estampé. Ensuite, par 1, vous pouvez avoir en point compté du 14CT et du 11CT. Donc, vous pouvez l'avoir en point compté et en estampé, pardon. Donc, 14CT, 11CT. Et juste en estampé, ça existe également en 16CT. Voilà. Et tout en pseudo Dioissandi. Je vous redonnerai les prix après. Alors, bah, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de problème au niveau de l'impression du patron. Voilà, je vous montre. Alors, je suis à 90% sûre que c'est le dessin d'une créatrice. J'ai cherché, mais je n'ai pas retrouvé. À 90% je suis sûre que c'est le dessin d'une créatrice. Désolée, mais vous savez que ça m'embête quand j'ai vraiment pas trouvé, et ou alors c'est parce que ça n'existe peut-être plus non plus, la créatrice les a peut-être retirées de la vente, je sais pas. Mais bon. Si vous vous rappelez du nom de la créatrice, dites-le-moi. Hop, voilà. Alors, c'est lavandeur, hein, donc bah, les couleurs. Alors, on a 46 couleurs. Donc, tout du point de croix, c'est bien ça, hein, il n'y a que du point de croix, oui. Et du point arrière. Voilà. Alors,
Bien sûr, on a nos deux petites aiguilles, comme d'habitude, en petit sachet. Et voilà nos couleurs. Donc, sur la première plaquette. Des jolies couleurs. Et sur la deuxième plaquette, alors c'est pas les plaquettes qu'on préfère, hein, mais bon. Et sur la deuxième plaquette, je me suis emmanchée, mais alors je vous dis pas, de ma gauche. Voilà. Donc du bleu, du rose, ici. Du parme, du violet, voilà. Donc de belles couleurs. Excusez-moi, je m'étrangle. Et bien sûr, on a une toile donc blanche. Aïda, elle est déjà surjetée, pardon, tout autour. Elle est, vous voyez, elle est assez souple. Et donc, c'est du 14 CT. Donc, voilà pour la première. Bon, je les remettrai bien en place après. La deuxième. Donc, celle-ci. Alors, elle fait 27 sur 34, bah comme ça, 28, 34 la première. Donc là, c'est 27 sur 34 en 14 CT, toujours, et toujours pseudo Joy Sunday. Donc, on a 41 couleurs pour celle-ci. Alors, il y a quand même beaucoup, enfin, oui, il y a beaucoup de points arrière, hein, mais ça va. C'est du partiel, hein. Il y a, enfin, c'est un petit partiel, mais voilà. Alors, c'est que du point de croix et du point arrière. Mais je pense que pour alléger la broderie, vous pourriez faire, par exemple, vous voyez, ici, tout ce qui est là, là par exemple, le faire en demi-point. Pour alléger un petit peu, je pense que ce serait possible, même voyez, même le B, hein, le B, là il n'y en a pas du B, non, voyez ici en bas, pareil, vous pourriez alléger un petit peu en faisant un demi-point au lieu de faire des croix complètes, pourquoi pas. Alors, je vous ai pas donné le nom. Alors, ici, c'est Sea View Girls. Donc, Sea, c'est la mer, je crois, c'est ça. Hein? View, c'est la vue. Et girl, donc, la fille qui regarde la mer, un truc comme ça. Ah, là, c'est les plaquettes qu'on aime bien. Voilà, les plaquettes comme ça, avec le numéro de la couleur, la référence DMC et le nombre de fils que l'on a besoin pour broder. Donc, je le dis à chaque fois, mais quand vous voyez 0 et demi, bien sûr, ils vous mettent un fil complet. Hein. On a également nos deux petites aiguilles, ici. Et j'ai dit combien? 41 couleurs. Donc, voilà les premières. Donc, ici, ça va être des couleurs assez tendres, hein. Ici, hop, viens là, toi. Ça fait des nœuds. Là. Du rose, du bleu, du vert d'eau. Vraiment des jolies, jolies couleurs. Et pour terminer. Ah oui, il faut que je me dépêche de ranger mon atelier parce que ça ne me va pas de présenter comme ça. Et voilà, vous voyez, du rose, du bleu ciel, un petit peu de vieux rose.
Voilà. Donc, c'est vraiment de très jolies couleurs. Et bien sûr, on a toujours une toile en 14 CT, une toile Aïda surjetée. La dernière, donc c'est celle-ci. Et là, c'est la Sunflower Girls, donc la fille des fleurs d'été, voilà. Donc celle-là est plus grande, elle fait 30 sur, 15, sur 34 cm, c'est toujours du 14 CT et c'est toujours en deux fils. Voilà. Oui, c'est ça. Alors derrière, vous avez toujours les explications, hein, comme d'habitude, là ça ne change pas. Alors, toujours le patron très bien imprimé, hein, de là. Donc, il y en a des deux côtés, hein, pour les trois. Donc, il y a quand même pas mal de points arrière. Mais ça va, c'est des points arrière assez faciles. Hein. Voilà, même celle-là, je crois qu'on peut l'alléger en faisant un petit peu de demi-point. Ça ce serait pas mal. Alors, combien de couleurs celle-ci? Oh, celle-là, elle a beaucoup de couleurs. Elle en a 47. 47 couleurs. Oh, les couleurs sont jolies. J'aime bien ces trois modèles. Alors. Toujours, alors là c'est la plaquette qu'on n'aime pas, tout à moins moi je l'aime pas, mais bon je sais que beaucoup d'entre vous non plus. On a toujours nos deux aiguilles et nos 47 couleurs. Voilà. Donc voilà les premières. Ah, ah. Voilà. J'espère que ça vous voit comment je présente là en ce moment, mais j'essaye de faire au mieux. Donc beaucoup de rose, du orangé un petit peu, voilà. Et ici, pareil, il y a du rose, du parme, du marron, du jaune paille, des jolies couleurs. Et bien sûr, toujours notre petite toile en Aïda surjetée, 14 CT. Donc voilà, bah écoutez, donc vous voyez, là celles-là elles sont emballées, donc je regarde, hein, c'est bien du point compté aussi, hein, on ne sait jamais, je vous dis qu'il m'aurait mis les deux, mais... Non, non, c'est bien du point compté aussi. Bon, c'est pas très grave. Vous savez ce que je vais en faire, de toute façon. Voilà. Mois de novembre, il y a quelque chose qui se prépare. Vous le savez. Donc, voilà. Alors, je vous explique pour les prix. Alors là, le lot des trois kits en 14 CT... c'était au prix de... Ah, il y a encore un moucheron, c'est pas vrai. De 14,29 €. Voilà. Le 14 CT et le 11 CT à l'unité, en point compté ou en estampé, c'est 5,60 €. Et le 16 CT en estampé uniquement, c'est 6,54 €. Voilà. Bah écoutez, j'espère... Alors, je ne sais plus si j'ai un code promo. Si j'en ai un, vous savez que je vous le rajoute à l'écran et que je vous le rajoute dans les informations en bas de la vidéo.
Moi, je remercie beaucoup la boutique Biggest Craft. J'ai remercié doublement, mais du coup, comme j'ai eu en double. En sachant que donc je vais vous faire une vidéo cette semaine d'un article, parce qu'ils m'ont demandé de faire une vidéo TikTok. Donc, comme j'ai un TikTok, j'ai accepté, hein. Et donc là, je vous présenterai un produit donc cette semaine. Cette semaine, non, la semaine est finie. Donc, ce sera plutôt la semaine prochaine, voilà. Mais je pense que vous reverrez cette vidéo-là ou tout au moins un extrait pour vous dire, voilà, la vidéo est faite, allez voir sur TikTok. Et sinon, moi, je la repartagerai également sur mon Facebook pour que vous puissiez la voir si vous n'avez pas TikTok. Voilà. Je vous laisse. Je remercie encore beaucoup la boutique et moi, je vous remercie tous d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux également. Je profite de la vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. J'en suis très heureuse. Je vous remercie énormément. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.